De suivre un webinaire. Alors voilà, ce soir on se retrouve pour ce webinaire qui va être, bah, comme d'habitude, très intense, hein, 7-1 heure. Et puis en plus, moi je parle que 45 minutes. Donc voilà. Mais ça va être super intéressant, ça va permettre de vraiment refaire un survol, mais complet. Ça reste un survol, certes, mais quand même complet de ce sujet, petite et grande urgence cutanée. Et puis, justement, avant ces vacances d'été, je pense que ce n'est pas un mal, parce que justement, bah voilà, on n'a plus les chauds, on n'a plus les pantalons, etc., qui protègent. Donc, la peau, elle est vraiment mise à nu. Alors, attendez, voilà, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, si jamais, voilà, ça c'est mon nom. Je suis pharmacienne d'officine depuis plus de 15 ans. J'enseigne aussi pour les apprentis à cette pharmacie. Je donne aussi les cours chez Medinform. Donc, voilà, je fais plein, plein de choses. Et surtout dans la formation. Voilà, mais j'ai aussi un terrain d'officine, bien sûr. Donc, voilà, on va juste reparler un tout petit peu de la structure et des fonctions de la peau, mais rapide, hein, parce que ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est de parler des plaies, de l'évolution d'une plaie, des différents types de plaies. Et là, on ne pourra pas faire une liste exhaustive, c'est impossible. De parler des évaluations et du traitement de ces plaies, ça aussi, ça va être vraiment une partie parce que c'est, je pense, c'est ça le nerf et le cœur de ce sujet, quoi. C'est vraiment, c'est relativement difficile. Et puis, toutes les plaies sont différentes. Donc, en fait, il n'y a que en se formant et puis après en pratiquant que vraiment on arrive à être à l'aise avec ce sujet. Et c'est vraiment pas évident, hein. On va faire un petit peu d'études de cas à la fin et puis on aura bien sûr le petit quiz, des questions et puis voilà la possibilité de traitement avec la présentation d'un nouveau produit. Mais ça, c'est pas moi. Alors attention, hein. Là c'est quand même un petit avertissement, mais c'est vrai qu'il y a des images. Pff, je vais essayer de pas très rester dessus, mais c'est vrai qu'il y a des images qui sont quand même assez hard, hein, parce que les plaies, on va vite dans quelque chose d'assez trash, quoi. Alors voilà, c'est intéressant déjà de délimiter un petit peu le sujet dont on parle. Donc voilà, on va pas vraiment parler, même pas du tout, hein, parler des éruptions cutanées typiques, la rougeole, l'herpès. Ça, si jamais il y avait un webinaire que j'ai fait également sur les maladies infantiles que vous retrouvez sur YouTube. Et puis, on va pas non plus vraiment parler des plaies fermées, des contusions. On va plutôt parler des choses qui sont où il y a une déchirure de la peau, les plaies chirurgicales. Et puis voilà, on va vraiment se limiter à l'essentiel. Et puis surtout, on va regarder après ça, ces petits feux. Que si vous regardez le webinaire sur les maladies infantiles, vous le verrez, le petit feu, ben ça, les gens, ils peuvent aller dans la pharmacie de ménage ou bien voilà, aller à l'officine, ou rouge, c'est le médecin. Alors, rapidement, vous connaissez cette peau par cœur, épiderme, derme la plus grande partie, et puis l'hypoderme, qui fait vraiment ce tissu sous-cutané graisseux, là, qui fait vraiment une sorte de renfort, hein. Et puis, on a les appendices, les annexes cutanées, c'est les follicules pileux. Voilà, c'est tout ce qui peut être un petit peu autour. On va reparler directement, hein. Et voilà, cet épiderme, il nous protège des effets chimiques, physiques, bactériens et thermiques. Alors, bien sûr, hein, ça a malheureusement ses propres limites, hein. C'est une défense, ça on le sait. Puisqu'on a ce film hydrolipidique à la surface de la peau qui est à peu près à 5,5, puis que si on perturbe, ben on le sait, et ça maintenant, pas mal de gens commencent à parler de ça, hein, du microbiome de la peau, qu'il faut vraiment faire attention à ce film hydrolipidique. Et ben, après, on peut avoir des pathologies, hein, qui arrivent si on perturbe cette barrière, justement. On va avoir un organe sensoriel qui est intéressant, hein, avec une sensibilité qui est extrême. On va avoir quelques chiffres après, j'aime bien parler de ça. On permet de réguler la température, mais là aussi, il y a des maximums. Hein. Là, quand il y a eu la canicule, je ne sais pas si on peut appeler ça une canicule, hein, ce compte-là, mais quand il y a eu malheureusement ces effets en Inde, là, et les gens, ils disaient, mais voilà, on est à la limite de ce que le corps peut supporter. Hein. Réguler l'équilibre hydrique, et puis éliminer, on élimine quand même des déchets par la peau, et puis on peut aussi stocker des choses. Voilà, on sait qu'on a par exemple aussi la vitamine D qui va se modifier. Qui va être synthétisé dans la peau. Donc voilà. Alors, quelques chiffres, parce que moi j'adore ça, je trouve ça très intéressant. Alors, la peau, c'est quoi? On a à peu près 16% du poids corporel. Alors, si on fait 75 kilos, ben, ça fait 12 kilos de peau. C'est quand même impressionnant. 2 mètres carrés de surface. On a 3 millions de cellules par centimètre carré. Par centimètre carré.
100 glandes se répare par centimètre carré. Donc, vous voyez, on a plein de récepteurs. Et puis, c'est tout au centimètre carré. Donc, c'est énorme. Hein. Vous voyez que ces nocicepteurs, les fameux récepteurs à la douleur, ça dépend des endroits. Bien sûr, on a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, mais ça peut aller jusqu'à 200 récepteurs de la douleur par centimètre carré. Donc, évidemment. Hein. Et puis, les récepteurs tactiles, hein, on sent très bien hein, où on nous touche. Hein. Et puis voilà, des glandes sébacées, on sait que cette peau, cet épiderme, il se renouvelle tous les 30 jours, et puis que voilà, on a un pH à peu près à 5, à 90%. Ça veut dire qu'il y a des endroits de la peau où ce pH, il est quand même légèrement différent, surtout aussi au niveau du visage. Parce que dès qu'on a une peau grasse au visage, ben on a un pH qui est plus élevé. Donc tout ça va aussi. Ben voilà, ça peut perturber. On sait que le visage, ben voilà, c'est un lieu, par exemple, où on est plus sensible à avoir des boutons, à avoir voilà, des infections comme des folliculites, des choses comme ça. Ce n'est pas non plus un hasard. Hein. C'est aussi à cause de ce pH qui n'est pas très équilibré par rapport au reste de la peau. Alors voilà, l'évolution des plaies. Eh bien, voilà, les plaies, eh ben, ça peut venir à cause de sectionnement de la peau. Ou des muqueuses, c'est ça qu'on appelle une plaie. Hein. Alors voilà, il y en a qui vous diront, on parle de plaie ouverte, plaie fermée. Ben, une plaie, c'est de façon ouverte pour moi. Sinon, on parle de blessure hein, plutôt. Alors voilà, ça peut être un stimuli mécanique, ça peut être thermique, le chaud, mais le froid, il ne faut pas oublier, chimique, on reverra des images de acide base, actinique, le rayonnement solaire, hein, quand ça commence à faire des cancers, hein, des mélanomes, et puis l'énergie électrique, l'électricité. Hein. Alors, juste un tout petit rappel également sur les phases de la cicatrisation. Alors voilà, au tout début, on a voilà, dans les premières heures et puis jusqu'à 3 jours, cette phase qui va être vraiment inflammatoire, exudative, hein, où on va vraiment essayer de nettoyer un petit peu tous les débris. Hein. Bah oui, hein, quand on détruit un bâtiment, il faut déjà enlever les gravats avant de reconstruire. Donc là, c'est le même principe. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a fait un peu table rase, puis qu'on a bien nettoyé, on va pouvoir s'atteler à reconstruire. S'atteler à reconstruire, bah, il va falloir amener du sang. Et puis, va falloir faire proliférer ces vaisseaux sanguins. C'est ce qui se passe dans la deuxième phase, la phase de prolifération. Puis, à la fin, ben, on va essayer de réparer et de créer un nouvel épiderme. Hein. On parle de phase d'épithélisation à partir du 8e jour et qui peut se prolonger jusqu'à même une année, voire même 2 ans. Il y en a qui disent qu'on peut agir sur les cicatrices jusqu'à 2 ans. Dans ces cicatrices, ben, il y a plusieurs formes de cicatrisation, justement. Il y a quand tout va bien, ça c'est la cicatrisation primaire des plaies, où on a une plaie qui est avec des bornettes, une belle plaie qui n'est pas infectée, qui va être fermée voilà, de manière normale. Ça peut être à l'aide de sutures ou d'agrafes, hein, mais qui va voilà, être quelque chose qui va se cicatriser dans le meilleur des mondes. On va avoir une cicatrisation secondaire où du coup on va avoir une formation de tissu de grénation, on a une plaie qui est plus importante, qui peut être béante, qui peut être infectée. Cette cicatrisation secondaire, les plaies chroniques en font partie. Hein. Et puis, on a souvent beaucoup d'exudats. Hein. On va voir ça. Hein. Ça, vous le connaissez déjà, mais on va en reparler. Puis, cette cicatrisation tertiaire, c'est quand ça ne se cicatrise pas ou quand on a vraiment des plaies hautement infectées. Donc, ça, c'est problématique. Alors, un petit rappel aussi de ce qui influence un petit peu cette cicatrisation. Hein. Tout ce qui est positif, c'est justement d'amener de l'oxygène. Bah oui, parce que l'oxygène, hein, c'est ce qui va permettre les échanges gazeux et puis de faire véhiculer du sang dans la plaie. Donc, il faut qu'on l'oxygène, cette plaie. Donc, ça veut dire qu'on doit être pas trop occlusif, qu'on doit pouvoir justement avoir ces échanges gazeux. Des vitamines, on sait que la vitamine E, la vitamine B, B5, voilà, ça, c'est des vitamines qui sont bonnes pour la peau, même la vitamine A, la vitamine C aussi. On sait la chaleur, mais on en reparlera, la chaleur et l'humidité, mais alors attention, il faut savoir doser justement. Et puis, il y a aussi des minéraux comme le zinc, par exemple, qui peuvent être utiles. Négatif, ben voilà, c'est quand on a un manque d'oxygène ou alors par le soin hein, de la plaie ou par une déficience de circulation sanguine ou alors des maladies sous-jacentes pardon, qui vont en fait être une déficience de la circulation sanguine comme le diabète, l'obésité ou alors des maladies qui sont des maladies où il y a un manque, une diminution du système immunitaire comme dans le sida justement ou dans les cancers, des carences en zinc. Donc voilà, ça peut faire penser aussi à des, on le sait, hein, si vous souvent. Quel conseil vous faites quand il y a des plaies? On devrait conseiller des choses à base de zinc ou bien des multivitamines, des choses comme ça. Ça pourrait vraiment aider à réparer les tissus. Hein. Et puis voilà, la sécheresse, si c'est trop sec, c'est pas bon. Si c'est trop humide, c'est pas bon non plus. Et si c'est froid, c'est pas bon non plus. Donc on verra le froid, par exemple, ça a son importance, par exemple, dans les brûlures. On dit toujours, ah, il faut refroidir, ouais, mais il ne faut pas y aller trop fort non plus. Parce qu'il ne faut pas non plus, un, faire une hyperthermie chez le patient et puis une hyperthermie sur le moment, quoi.
Donc ça, on va en reparler un petit peu. Donc voilà, les facteurs qui troublent un peu la cicatrisation, bah, l'âge avancé, bah oui. Plus on est âgé, malheureusement, moins on cicatrise vite. Hein. La mauvaise nutrition, le mauvais statut immunitaire, les immunosuppresseurs. Donc tout ça, c'est vrai que si on a des clients qui viennent et puis qu'ils ont une blessure, puis qu'on connaît, bah, c'est clair que c'est un peu plus simple que quelqu'un qu'on n'a peut-être jamais vu, qu'on va devoir questionner justement. Est-ce que vous avez d'autres médicaments? Enfin, je suis sûre que vous le faites. Hein. Vous avez d'autres médicaments, vous avez des maladies, donc voilà, l'obésité, etc., l'insuffisance veineuse chronique dans le cas des ulcères. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis après, il y a des choses au niveau de la plaie qui sont des facteurs, des critères qui vont troubler la cicatrisation. Ça, c'est au niveau de la plaie. Ben, déjà, quand on a une plaie, une blessure importante et profonde, ben oui, c'est sûr que ça cicatrise moins bien qu'une coupure. Hein. Il faut avoir fait 35 ans, ni avoir un prix Nobel pour comprendre ça. Ben, s'il y a des corps étrangers, alors ça, c'est clair que toutes ces plaies où on verra, il y a des écorchures, il y a des choses qui rentrent, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et puis c'est vrai que souvent, on pense à quoi, hein? On arrive avec notre désinfectant, là, notre petit Merfen spray, ou bien notre petit autre spray désinfectant, mais que sais-je. Et puis on vient désinfecter. Alors que la première chose qu'il faut faire dans une plaie, c'est nettoyer. Ça, on l'oublie, on passe directement à l'étape suivante. Si la plaie est infectée, bah oui, c'est clair que lorsque la plaie s'infecte, bah, ça perturbe toute la cicatrisation. Hein, donc, il faut attendre que cette infection elle part pour que la plaie elle puisse enfin se cicatriser. Donc, quand c'est une infection, c'est comme si c'était au point stand-by. Hein. Bah, par exemple, si c'est à côté d'une articulation puis qu'on n'immobilise pas suffisamment, comme j'ai dit avant, s'il y a un manque d'humidité ou trop d'humidité, ça on verra, parce que la macération dans les plaies, c'est pas du tout bon. C'est la formation d'un hématome, ça va ralentir bien sûr, d'un sérum, c'est quand il y a vraiment un gonflement avec du sérum qui peut se faire. Et puis ben, voilà, après, c'est sûr que quand il y a l'apparition de calloïdes, d'hypertrophie cicatricielle, d'hernie cicatricielle, ben, ça non plus, c'est pas très bon. Ou alors quand il y a une rupture de la plaie, c'est-à-dire que quand il y a une suture, puis qu'elle lâche, ben, oui. C'est clair que là, ben, là aussi, on est re au point zéro, puis il faut recommencer depuis le début. Donc c'est clair que tout ça, il y a plein de choses qui peuvent influencer. Hein. Alors c'est vrai que il faudra bien, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse tout le temps, quoi. Quand on a des plaies, il faut toujours bien questionner notre client. Vous avez fait ça comment, etc. Il y a vraiment plein de choses à penser. C'est pas si simple. Alors les complications, ben, ça on le répétera jamais assez. Puis ça, je pense qu'on sait. Hein, les infections majeures comme la septicémie. Donc voilà, c'est une infection générale du sang. Hein. Le pire cas, c'est la mort, hein, mais voilà, ça peut mener à une amputation d'un membre, etc. Donc, il y a des signes, hein, on en reparlera, mais voilà. Limitation fonctionnelle, ben voilà, au niveau. Voilà, hein, c'est clair que si on se coupe, je sais pas, un tendon au niveau de la main, on va pas pouvoir bouger la main comme avant, c'est sûr. Voilà, là aussi, participation d'autres structures, ça peut toucher les muscles, ça peut toucher les tendons, les os même, enfin voilà. Les saignements, bah ouais, ça peut. Si on n'arrive pas à arrêter les saignements, s'il y a encore des traitements anticoagulants par-dessus, c'est pas forcément évident. La gestion de la douleur, et puis voilà, le tétanos ou d'autres maladies infectieuses, des hépatites, dans les cas de morsures par exemple. Alors la macération, c'est quoi la macération? On sait ce que c'est la macération, on a tous pris un bain une fois dans notre vie ou aller à la piscine, puis on ressort, on a les mains comme ça. Ben voilà, ça c'est pas grave si on est juste au niveau des mains puis qu'on n'a pas de plaie. Mais si on a une plaie, ça c'est pas bon. Donc c'est un ramollissement, un gonflement des tissus, ça augmente le risque d'infection, ça prolonge la durée de la guérison. On a la peau qui devient généralement blanche, donc la peau surtout autour, hein, bien sûr, parce que s'il y a plus de plaie, s'il y a plus de peau au niveau de la plaie, vous allez me dire, mais comment on voit que la peau elle est blanche? Oui, ben, faut se fier au bord de plaie. Et c'est vrai que moi, je me souviens, mais j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose dans mes études, mais j'ai l'impression que j'ai jamais entendu parler de ces bords de plaie jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, on commence vraiment à faire attention à justement ce bord de plaie, à le préserver. Bah oui, parce qu'il faut que ça cicatrise. Alors si on détruit toute la peau autour, on ne va jamais y arriver. Voilà, s'il y a des rougeurs en cas d'inflammation, ça prolonge aussi la durée de la guérison. Et puis voilà. Ça peut, il faut faire attention parce que des fois, bah, on a aussi du tissu d'épithélialisation qui peut faire penser à ça, à de la macération. Alors là, vous allez me dire, ça en rajoute une problématique. Ouais, c'est pas forcément évident. Mais on va quand même, je pense, réussir. Et puis voilà, en cas de doute, eh ben, on se tourne vers un médecin. Alors, c'est Caroline qui reprend la parole et qui va vous poser la première question du quiz. Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons une question pour vous. Quels facteurs peuvent avoir une influence positive sur la cicatrisation des plaies? C'est A, le chaleur, B, compression, C, humidité dans la zone de la plaie, D, un apport suffisant en oxygène et nutriments, ou D, E, macération de la plaie.
Je vous laisse environ 10 secondes pour répondre. Ah, ça va très vite. Il y a déjà la majorité qui ont donné leur réponse. Aussi sur votre smartphone, vous pouvez cliquer sur une réponse. C'est vraiment important pour obtenir des points de formation continue. Voilà. Et je ferme le sondage maintenant. Et nous avons, voilà, les résultats suivants. Nous avons 6% pour la compression. Nous avons 10% pour humidité dans l'ensemble du plat. Et la plupart, 84% pour un apport suffisant en oxygène et nutriments. Est-ce que c'est correct? Que dites-vous, madame? Ah, vous êtes en mode silence. Non, oui, j'avais pas remis mon micro, excusez-moi Caroline, donc je parlais dans le vide, mais c'est très bien parce que j'avais dit une bêtise, mais non. En fait, il faudrait pouvoir cliquer sur deux réponses à la fois. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais voilà. Chaleur, oui, mais pas trop. Compression, ben oui, mais pas trop non plus. Puis si vraiment il n'y a pas besoin d'immobiliser une zone, s'il n'y a plus besoin de faire un saignement, la compression, voilà, ça peut aider sur le moment, mais après. Et puis alors l'humidité dans la zone de la plaie, oui. Pour autant qu'elle soit gérée, cette humidité, bien sûr. Et puis, un apport suffisant en oxygène et nutriments, ça c'est juste. Et puis, la macération, c'est complètement fou. Ça, on est d'accord. Alors, voilà. Alors, voilà. Oui, compression. Voilà, comme je disais, ça pourrait être juste dans les cas où il faut vraiment arrêter un saignement, mais après, ou immobiliser une partie. Alors, différents types de plaies. Vous voyez qu'il y en a, hein? On va pas parler de tout, hein. Sinon on est encore là demain. Et puis on va pas passer toute la nuit ensemble, parce que je pense que vous avez déjà une journée derrière vous, puis que demain, ben, malheureusement, ça redémarre. Mais voilà, hein, on les a tous déjà vus, hein. Alors il y a des choses qu'on voit quand même moins souvent que d'autres, hein, heureusement, les gelures, les brûlures chimiques, l'incinération, l'amputation. Donc voilà, il y a des choses qu'on parle moins aussi, les brûlures par irradiation, hein, quand. Les blessures par irradiation, quand on fait aussi des rayons chimiques, enfin des rayons justement en catch de cancer. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne nous parle pas, puis il y a des choses qu'on voit quand même beaucoup plus souvent, quoi. Donc voilà, on ne peut pas parler de tout, hein, mais on va en parler quand même de quelques-unes. Alors les éraflures, ça va être notre lot là. Hein. On est tous en short là, et puis voilà, on va se prendre, on fait une mauvaise réception à vélo ou je ne sais quoi. Donc voilà, des blessures de l'épiderme qui saignent presque pas. Là, c'est quelqu'un qui a, ben voilà, s'est éraflé du genou. Hein, quand même propre en ordre, l'éraflure. Hein, il ne s'est pas loupé, hein, comme on dit. On a une guérison après la formation de croûte sans cicatrice. On peut aussi voir comment on peut limiter cette formation de croûte aussi, hein, parce que la croûte, on sait, ça fait des tensions dans la plaie. Donc ça, ce n'est pas très bon pour la guérison. C'est justement le but de maintenir une plaie humide, hein, de laisser une plaie à l'air. Ça, c'est un peu fini maintenant. Et puis, bah voilà, c'est généralement très douloureux parce que c'est comme une brûlure du premier degré. Hein, ça touche beaucoup les nocicepteurs. Et puis, il y a un risque d'infection qui est relativement faible parce que justement, on est très superficiel. Par contre, il ne faut quand même pas oublier de nettoyer. Hein. Voilà, quelque chose de moins sympa déjà. On a la lacération, ça c'est des traumatismes qui peuvent arriver sur des régions de peau qui sont non rembourrées. Ah oui, on a des endroits qui sont plus rembourrés que d'autres, ça on avait bien compris. Et justement, les genoux par exemple, c'est pas tellement rembourré. L'arcade, c'est pas du tout rembourré. Puis en plus, alors l'arcade, ça saigne à moi la peur, comme on dit, parce que là, je pense que c'est du sang séché. Hein. Ils ont pris la photo avant de lui nettoyer complètement, mais bon, voilà, c'est pas forcément évident. Hein. Mais enfin, voilà, il s'est blessé à l'arcade après un coup de poing. Hein, donc, quand dans les films, ils n'arrêtent pas de se casser la tête et puis il n'y en a pas un qui est blessé, ça, c'est pas la vraie vie. Hein. Mais voilà, les bords de plaie, le problème, c'est qu'ils ne sont pas nets, forcément. Et puis, il y a quand même un risque d'infection accru parce que ça peut être profond. Et puis, la cicatrisation est souvent retardée. Et puis là, en plus, ben voilà, c'est mal passé sur l'arcade. Voilà, c'est pas forcément simple, la cicatrisation dans ces cas-là. Bon, la coupure, ben, ça saigne beaucoup, hein. Alors voilà, on a toujours cette vision du sang, ça nous alerte beaucoup, hein, mais enfin, c'est vrai que quand on vous prend du sang, si vous allez faire du don de sang, c'est 500 millilitres. Hein. Alors là, c'est impressionnant. Hein. Là, il faut vraiment faire attention à bien manger après, mais en fait, c'est rare que voilà, on perde beaucoup, beaucoup de sang, c'est juste plus vite impressionnant. Ce qui est embêtant dans les coupures, ça c'est avec un petit couteau de cuisine, hein, on voit quand même, hein. C'est pas loupé non plus, mais. Ça va encore. Ce qui est vrai que c'est embêtant dans les doigts,
parce qu'on peut vite toucher une articulation. Puis surtout, c'est la profondeur. Et puis aussi, avec quoi la personne s'est-elle coupée? Ça peut vraiment avoir un impact, quoi. Il faut voir si c'est pas quelque chose qui, voilà, nécessiterait un rappel de tétanos, par exemple. Voilà. Et puis, ben, sinon, vu que ça saigne beaucoup, c'est vrai que, voilà, ça permet aussi d'éliminer les germes. On a souvent des bords de plaies qui sont nets, mais bon, parfois béants. Donc, faut essayer de nettoyer, d'essayer de, voilà, de voir après le saignement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste si on arrive à visualiser. Parce que, voilà. Et puis, ben, si on n'arrive pas à arrêter les saignements, ben, vous savez ce qu'on fait, hein, on envoie la personne. Hein. Donc, voilà, parfois, on peut avoir d'autres structures qui sont touchées, voilà, comme les tendons. Et puis les os même, ça peut aller jusqu'à l'os. Les dépôts, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins, mais quand même, c'est quand il y a vraiment des très très gros hématomes. Et puis voilà, ça c'est au niveau du coude d'une personne. On peut avoir justement un décollement traumatique des tissus ou de la peau. Puis après, on peut avoir des nécroses qui sont possibles. On parle de scalpation sur la tête, quand c'est sur la tête. C'est quand on reçoit un écrasement. Donc, typiquement, je ne sais pas, les accidents de voiture, par exemple, vous avez quelque chose qui va, vous allez avoir une compression, mais vraiment très violente. Et là, on a un risque d'infection élevé, quoi. Parce que justement, comme il y a ces poches, ben, c'est une porte d'entrée, quoi. Puis on ne la voit pas très bien, enfin, elle n'est pas très nette, comme une coupure. Cette porte d'entrée, voilà, elle est là, et puis on la visualise. La déchirure, ça, c'est pas très joli, hein. La déchirure. Là, on peut justement avoir des plaies avec des bords déchirés, on a un risque d'infection accrue, c'est souvent associé aux plaies par écrasement, donc c'est pas très très joli. Ça, je crois que c'était une râpe. Hein. Ah oui, avec une machine à écailler un poisson. Mon Dieu. Alors, ouais, il faut faire attention, quoi. Enfin, il s'est râpé le doigt, en fait, c'est ça. Les blessures perforantes. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas grave, mais en fait, là aussi, hein, la profondeur dans la blessure perforante, puis on peut des fois pas tellement la voir parce que ces blessures perforantes, c'est très, très petit, en fait. C'est petit, mais c'est profond. Et ça, il faut vraiment s'en méfier beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un bout de machine à coudre, en fait, d'aiguille d'une machine à coudre qui est dans le doigt. Aïe, hein. Ouais, ça doit faire vraiment mal. Et là, on a un risque d'infection élevé. Non seulement là, il faut peut-être enlever le bout, évidemment. Et ça demande de la chirurgie, hein, c'est pas de notre ressort. Mais voilà, il faut vraiment se méfier parce que des fois, on ne voit peut-être pas, on se dit, ah, mais c'est rien, ça a déjà arrêté de saigner. Ça, c'est typiquement des plaies qui ne saignent pas beaucoup, hein. Et puis, c'est vraiment un risque d'infection très élevé. Les morsures, ça, c'est un petit garçon ou une petite fille, non, je crois que c'est un petit garçon, qui s'est fait mordre sur la cuisse par un chien. Donc voilà, c'est des blessures par écrasement, des déchirures, donc on a des bords de plaies qui ne sont pas nets, on a un risque d'infection qui est hyper élevé, parce qu'évidemment, les animaux, bah, ils ont de la salive qui contient des agents pathogènes, d'ailleurs les morsures d'humains aussi, hein. Alors vous allez me dire, moi je ne veux pas mordre quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, non d'accord, mais je sais pas, moi, entre enfants ou accidentels, hein, ça peut être aussi accidentel. Donc voilà, là il faut faire attention, il y a vraiment des agents pathogènes. Et puis alors les chats, je reviens toujours avec mes chats, j'ai rien contre les chats, hein. Mais alors vraiment, ah oui, mais ils sortent pas, ouais, c'est pas, ils sortent pas, ils sortent, ça change rien. Ils ont vraiment justement des agents pathogènes et on a très peu de temps pour agir. Donc c'est vrai que du moment qu'il y a du sang, que ça a saigné, c'est médecin direct, hein. Moi je m'amuse pas en tout cas à ça. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas des risques d'hépatite. Donc voilà. Les piqûres de guêpes, les piqûres d'insectes. Alors, c'est souvent quand même des piqûres de guêpes. Après, vous allez me dire, il y a des gens qui font des réactions comme avec des moustiques, hein, on est d'accord. Mais voilà, les guêpes, elles sont généralement sans dard. Les abeilles, souvent avec dard, mais je crois que c'est pas une règle qui est gravée dans le marbre. Et puis, en fait, bon, c'est un peu, on traite pas vraiment, quoi, parce que c'est des petites plaies, en fait. C'est pas très, ouais. C'est pas très très important, mais il faut quand même faire attention. Il y a quand même des symptômes qui peuvent être comme des gênants, comme de la douleur, comme des démangeaisons. Et puis surtout l'enflure. Hein. Moi, je suis sûre que vous avez tous eu hein, ce petit enfant de 8-10 ans qui arrive avec la main qui a triplé de volume. Et puis il y a un risque aussi d'infection quand même. Donc il faut faire quand même attention. Là, c'était un apiculteur qui a bien voulu prêter son bras. Parce qu'évidemment, quand on est apiculteur, c'est un peu les risques du métier, quoi. Puis les tiques, ben voilà, on sait malheureusement tout ce que les tiques véhiculent comme pathologie, et puis ben voilà, des fois ça reste longtemps inaperçu, hein.
Les ampoules. Bon, les ampoules, ça fait mal, hein. C'est clair que quand on a un petit pansement adéquat sous la main, on est content. Puis on les voit, c'est souvent des femmes quand même. On voit quand même nos clientes qui repartent toutes guillerettes, alors que là, elles étaient prêtes à acheter leur nouvelle paire de chaussures. Donc voilà, c'est une charge inhabituelle au niveau de la peau. Les couches supérieures, elles glissent contre les couches inférieures. Puis en fait, les couches supérieures, elles se détachent. Et puis ben voilà, il y a de l'espace, ça se remplit d'eau. Ben oui, parce que nos tissus sont pas remplis d'air, hein, donc c'est rempli d'eau. Et puis ben voilà, il y a quand même un risque d'infection quand on peut percer. Je sais qu'il y a plein, il y a un grand débat là-dessus. On peut l'entamer si jamais à la fin, si on voulait, pas trop longtemps quand même. Mais voilà, sur les ampoules, si elles sont ouvertes, est-ce qu'on peut mettre un pansement de type hydrolocolloïde? Moi, je dis non, mais ça c'est mon affaire. C'est-à-dire que même si on désinfecte correctement, il faut quand même faire attention, quand même faire attention à ce risque d'infection. Donc voilà. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on met dans ces cas-là? Il faut quand même trouver un pansement épais pour que ça se résolve, quoi. Que ça se résolve facilement, pardon. Les brûlures. Oh, bah une jolie ampoule, tiens. Alors voilà, bah, c'est très très rouge hein, quand même. Hein. On a une brûlure de premier degré tout là, quand même. Hein. Et puis ici, localement, une brûlure du deuxième. Ça reste pas, vous savez, hein, on a plusieurs degrés de brûlure. Là, je ne pensais pas du troisième parce que ce serait plus blanc, ce serait une autre couleur, quoi. Mais voilà, hein, on peut se brûler avec plein plein de choses. Puis en ce moment, bah, il y a les barbecues, hein. Donc les giclures d'huile, les giclures d'eau, etc., etc. Donc ça, faut vraiment faire attention. Il y a aussi les gelures. Mais vraiment, voilà, l'étendue, ça dépend des dommages, ça dépend de, pardon, de la température et du temps d'exposition. Il faut vraiment, voilà, moi je dis éviter cette eau froide glacée. Déjà, vaut mieux faire une eau qui est tempérée et qui est légèrement refroidie plutôt qu'une eau glacée. Vaut mieux passer 2 minutes, 20 minutes, pardon, avec une eau tempérée, tiède plutôt que glacée avec 2 minutes, ça ne suffit pas. Vraiment refroidir, ça va vraiment permettre justement d'arrêter cette brûlure. Et puis voilà, on sait, hein, quand ça commence à être carbonisé, quand ça commence à être noir, quand il commence à avoir des insensibilités, ou c'est pas très bon, des poils qui se détachent. Là, c'est qu'on est entre du 3 et du 4, bien sûr. Et là, il faut peut-être aller consulter. Hein. Et puis, ben voilà, alors là, vous allez me dire, on fait quoi? On perce pas la cloque. Ouais, ben, dans l'idéal, on la perce pas, mais j'ai envie de vous dire dans l'idéal. Hein. Parce que là, déjà, il va falloir faire un pansement très couvrant. Puis après, ben, si elle se perce, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la peau, on l'enlève, il faut voir l'état de la peau. Des fois, il y a des peaux qui s'enlèvent toutes seules. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné, on peut faire le mieux qu'on peut, mais. Les brûlures chimiques. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même pas tellement. Moi, je crois, franchement, hein, en 15 ans, je suis même pas sûre que j'en ai vu une fois, parce que les gens qui travaillent en laboratoire, ils sont quand même assez alertes pour rapidement aller voir. Mais ça peut arriver quand même, on ne sait pas. Hein. Des fois, il y a des femmes de ménage justement qui utilisent des produits sans trop de protection, voilà. Et puis après, bah voilà, elles se tournent vers qui? Vu qu'elles sont indépendantes, elles n'ont pas forcément, voilà. Elles travaillent pas au sein d'une entreprise forcément, donc c'est vrai qu'on peut voir hein, des choses. Alors l'image, pas très drôle. Les acides et les bases. Alors ça, c'est une brûlure d'acide. Et puis en plus, comme on a rincé, 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 ben, en fait la peau, elle a macéré. Donc c'est non seulement elle est brûlée, puis plus encore, on a l'impression qu'il a pris un bain pendant un moment. Bah oui, parce qu'on a tellement rincé. Alors les acides, on peut en fait, notre peau tolère un petit peu les acides parce que dans notre peau, il y a un système tampon. Mais bon, il n'est pas immuable ce système tampon. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on a un système qui va nous permettre de maintenir ce pH, le pH correct de la peau, et qui va essayer de remonter le pH dans ce cas-là. On va essayer de remonter à 5,5. Mais bon, jusqu'à une certaine mesure. Et puis alors, les bases, c'est encore pire. J'allais dire les blessures par balle. Non, non, on n'est pas à ça, heureusement. Les brûlures par base, eh ben, c'est encore pire, justement, parce que ça fait des nécroses dans les tissus, hein, on dit dans les yeux. Hein. Les bases, c'est pire que les acides. Alors, ce qu'on peut faire, bah, bien sûr, c'est rincer, 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 envoyer aux urgences. Puis aussi, ce qu'on peut faire, franchement, c'est tout bête, et voilà, ça ne m'était même pas venu à l'idée, mais c'est après, c'est mettre un papier pH et regarder. Ça peut être dans les yeux, ça peut être sur la peau, puis ça nous donne une idée de si on a suffisamment rincé, justement. Donc voilà, ça, c'était la petite astuce. Les plaies chroniques, bah, voilà, c'est des plaies qui n'ont aucune tendance à la guérison depuis plus de 8 semaines. C'est fréquent en cas de diabète, en cas d'insuffisance veineuse, en cas d'obésité. C'est surtout fréquent sur le bas des jambes, des pieds. On parle d'ulcère veineux, d'ulcère artériel, d'ESCA. Voilà, c'est ça les plaies chroniques. Hein. On en reparlera après. L'intertrigo.
J'ai une blessure d'une plaie chronique, mais plus tard. L'intertrigo, c'est en fait de la peau qui va macérer, s'irriter en fait. Là, c'est sous l'aisselle, hein, celle-ci. Ça peut être aussi à l'intérieur des cuisses. C'est comme des écorchures et puis ça fait mal. Il y a quand même un risque d'infection assez accru parce que c'est des dans des plis en fait. Ça peut être sous les seins, voilà. Donc ça, il faut quand même bien veiller à soigner, hein. Et puis surtout là, à enlever cette humidité, je pense, qui va rester en fait par le milieu environnant de la peau, quoi, par la localisation. Oui, ces plaies, c'est vraiment pas simple. Ah, voilà notre plaie. Alors si vraiment là, vous avez, moi, j'aime pas du tout cette photo non plus. Hein. Si vous êtes sensible, vous fermez les yeux. Puis de toute façon, vu que vous m'écoutez, ben, je vous dirai quand les rouvrir. Voilà cette ulcère. Donc voilà, c'est des plaies qui sont ouvertes, qui sont profondes, qui sont généralement humides, suintantes, qui sont pas forcément infectées. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on le redise. Hein. Il y a un risque d'infection évidemment très accru, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est infecté. C'est juste quelque chose qui ne se cicatrise pas. Et puis, c'est généralement dû à un traumatisme qui est très mineur, en fait. C'est un tout petit truc, et puis ça se transforme, et puis ça ne cicatrise pas. Donc, c'est souvent causé, bien sûr, par des troubles chroniques de la circulation sanguine. On parle souvent d'ulcère de la jambe. Les escarres, c'est moins, elle est moins violente, la photo, là. Hein. Les escarres, ben voilà, c'est en fait un manque d'oxygénation de la peau. La peau qui va être contre une surface dure, puis qui au bout d'un moment a plus d'oxygénation, puis en fait ben, ça se nécrose, en fait ça s'ouvre. Alors il y a différents degrés. Là on est dans un degré 1 et 2, on va les revoir après, mais en fait on voit bien ici, attendez, si je vous montre, voilà ici on voit que c'est degré 2, puis ici on voit que c'est degré 1 en fait, parce que c'est pas encore vraiment ouvert. Hein. Mais c'est on stade, on sait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se tramer et que c'est pas bon quoi. La peau est quand même endommagée. Et puis voilà, bah, si bien sûr on a des troubles de la circulation sanguine, bah, voilà, c'est sur ce genre de cas que ça se développe, bien sûr, ces ulcères et ces escarres, pardon. Alors voilà, les escarres, les degrés. J'aime bien cette photo. Alors vous voyez, là, on voit juste que la peau, elle est rouge. Là, elle est rouge, puis elle est un peu tuméfiée. Puis on voit que ça commence à pas s'ouvrir, pas encore, mais c'est sur le point. Là, bah, ça s'est vraiment ouvert, hein. Et puis ici, le 4, c'est rouge. Et puis voilà, là, c'est vraiment comme on voit un ulcère après une fois que c'est ouvert, quoi. Donc voilà, il y a des positions, hein, il y a des endroits de localisation, pardon, d'escarres, hein, on le sait au niveau de la tête, tous les points d'appui, en fait. Hein, donc on sait qu'on peut protéger avec des pansements film, des choses comme ça. L'eczéma, la dermatite, ouais, on repasse dans quelque chose de moins violent, mais quoique, hein, si c'est chronique et puis que c'est généralisé, c'est pas drôle non plus. Hein. Donc voilà, ça englobe toutes les démangeaisons, ça peut être parfois suintant, parfois squameux, c'est vraiment une inflammation des couches supérieures de la peau. Il y a quand même une possibilité de surinfection par le grattage, et ça, faut pas l'oublier. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à dire, ouais, bon, ça démange, je mettais cette petite crème, puis ça va aller mieux, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, puis surtout qu'en plus, bah souvent, qu'est-ce que les gens ils ont? Eh bah, ils vont avoir des dermocorticoïdes, hein, faut pas se leurrer. Bah oui, c'est quand même mis à part ça, dans certains cas et dans la plupart des cas très efficace, donc ça c'est super. Mais voilà, après, ben bah, effectivement, il y a une chance que ça se surinfecte parce qu'on va diminuer localement le système immunitaire. Hein. L'acné, bah voilà, là aussi, hein, il y a plusieurs types d'acné, on va pas revenir là-dessus, hein, mais ça peut être des petits boutons, ça peut être des comédons, des points noirs, puis après ça peut aller en kyste, en pustule, et ça peut surinfecter. Et puis c'est une maladie qui est autocontagieuse, hein, qui se propage comme ça de kyste en kyste. Donc là voilà, ça peut nécessiter quand même une visite médicale, bien sûr. Là, ce petit bout de chou, là, c'est en train de s'infecter, ça plaît. Bah oui, parce que là, Dieu sait ce que c'était. C'était pas très grand, mais justement, il y a peut-être encore quelque chose de coincé. Donc voilà, cette phase on l'a vu hein, dans la première phase de cicatrisation, cette phase inflammatoire, elle est de toute façon là, mais elle doit partir. Quelqu'un qui vous redit, attention, moi j'ai mal là depuis quelques jours, ça revient à la douleur, et puis on voit que c'est renflammé, que c'est pas parti. Là, faut se dire, oh, il y a peut-être quelque chose qui va pas là. Alors voilà, là aussi, et c'est là que ça se complique. Regardez tous ces différents critères de plaie. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide, mouillé, etc. Donc voilà, est-ce que ça saigne? Est-ce que ça saigne pas? Donc voilà, ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir qu'on détermine. Donc c'est clair que nous, on doit faire une anamnèse quand même qui est vraiment très, très importante, quoi, quand on soigne une plaie. Souvent, ce qu'on soigne comme plaie, bien sûr, hein, celui qu'on soigne une toute petite coupure avec un petit couteau.
On va peut-être pas lui poser 20 000 questions, il va pas rester chez nous trop de temps, mais voilà. Alors, le verre, on va pouvoir aller dans la pharmacie de ménage. La pharmacie, c'est-à-dire chez nous quand c'est orange, et puis sinon la visite chez le médecin, voire même le service des urgences. Et c'est comme je vous ai dit avant, hein. Il y a tellement, tellement de possibilités que c'est vrai que je pense qu'on peut jamais être complètement, on peut jamais avoir tout vu sur le sujet des plaies, quoi. Il y a toujours des choses qu'on n'aura jamais vues. Alors tout ce qui est visite chez le médecin, c'est les blessures au niveau des articulations, dans les régions du visage, des yeux, des organes génitaux. Quand il y a un risque d'infection élevé, quand il y a de la fièvre, ça veut peut-être dire qu'il y a déjà un début de septicémie. Alors évidemment, là en plus, il ne faut pas faire paniquer les gens. Vous savez que ça, c'est toujours dans le triage la difficulté, mais voilà. Les bords de plaie ne sont pas nets, ils sont effilochés, on a des poches au niveau de la plaie, on a des corps étrangers qu'on n'arrive pas à sortir. Des corps étrangers qu'on arrive, des graviers qu'on arrive à rincer, ben, très bien. Et si on n'arrive pas à rincer, ça c'est médecin. Des blessures de structures voisines, des tendons, voilà. C'est évidemment, ça n'est pas soigné ça à la pharmacie. Les morsures d'animaux, et c'est clair que des fois, moi je me souviens une fois avoir envoyé une cliente, franchement je me souviens très bien que son compagnon il me disait, mais complètement folle celle-ci. Franchement, c'était même pas 1 mm sur 1 mm, c'était une morsure de chat. Mais ça avait saigné, elle était revenue avec une prescription d'antibiotiques. Alors bon, est-ce que le médecin il avait quand même donné des antibiotiques aux gens? Bah, vous êtes là maintenant, je vous donne quelque chose. J'en sais rien, mais quand même, il faut vraiment se méfier. Hein. Et puis voilà, voir s'il n'y a pas besoin d'une vaccination antitétanique et puis voir s'il n'y a pas les douleurs, comment on peut les traiter, quoi. Si vraiment il y a des douleurs intenses, qu'on ne peut pas les traiter, là, il faut aller voir le médecin. Service des urgences, c'est s'il y a des plaies importantes, profondes, des saignements artériels, voilà, des problèmes d'hémorragie, des problèmes veineux, des brûlures qui sont étendues, des brûlures visage, articulation et des graves blessures concomitantes. Je ne sais pas, moi, un bras cassé, une jambe cassée, une épaule luxée, ben voilà. Hein. Alors voilà, il faut penser à tout ça. Mais c'est vrai que c'est dur. Hein. Mais il faut essayer. Il faut essayer de voir c'est quoi la plaie. Elle est où? C'est quoi sa taille? Le bord de la plaie, comment il est? Le lit de la plaie éventuellement? Est-ce qu'il y a un exudat? Est-ce qu'il y a une odeur dans cette plaie? Est-ce qu'il y a un environnement? Comment il est cet environnement? Est-ce que mon patient il a d'autres maladies? Est-ce qu'il prend d'autres médicaments? Il faut penser vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment pas simple. Donc voilà, est-ce qu'il y a un saignement? Est-ce qu'on arrive à le maîtriser? Est-ce qu'il y a une contamination possible par un objet, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres blessures? Éventuellement, si c'est quelqu'un qui revient, est-ce qu'on a un historique de cette plaie, des antécédents médicaux, l'état général et l'état nutritionnel? Donc, vous voyez que quand on soigne quelqu'un pour une plaie, eh ben, faut en penser des choses, hein, c'est pas si simple. Alors, il y a dans ce traitement des plaies quelque chose qui s'appelle TIME. C'est plutôt quelque chose qui va être utilisé, bien sûr, par les services d'urgence et médicaux, mais je trouvais intéressant d'en parler. Alors, voilà, il y a. T, c'est pour tissu, donc c'est pour le tissu, comment il est, est-ce qu'il faut le nettoyer, est-ce qu'il faut enlever des peaux mortes, est-ce qu'on va contrôler qu'il n'y ait pas une infection, que l'inflammation c'est un état normal, pas un état inflammatoire qui pourrait amener une infection. Je vous rappelle que s'il y a une infection, il y a de toute façon une inflammation, hein, mais pas forcément le contraire. Comment est la moisture, c'est l'humidité, comment est l'humidité au niveau de la plaie, et puis comment sont les bords de plaie. Donc voilà, ça c'est toutes les choses qu'il faudrait. Se poser, puis ben voilà, dans le traitement des tissus, dans le premier, en fait, c'est déjà rincer, c'est déjà faire un traitement et puis participer à un bon traitement des plaies. Donc, déjà, des fois, si on fait juste ça, et après qu'on envoie la personne chez le médecin, ça peut déjà être bien. Prévenir ou combattre les infections, on a plein de choses pour faire ça, vous le savez tout aussi bien que moi. Donc voilà, on peut aussi demander aux gens de revenir, bien sûr, hein, pour voir un petit peu. Et essayer d'évaluer cet exudat. Est-ce que c'est trop, pas assez? C'est pas facile, hein. Et voilà. Et puis voir si les pansements sont adaptés. Il faut que, voilà, l'objectif, il y a un microclimat chaud, mais pas trop chaud non plus. Et puis que ce soit légèrement humide à la surface de la plaie. Donc c'est pas les tropiques, hein. C'est ça le truc. On a plein de moyens auxiliaires maintenant. On a tellement de pansements. Alors c'est pas facile pour nous parce que moi je trouve qu'on les voit pas assez. Et même j'ai eu l'occasion de travailler dans des pharmacies. Rattachés, enfin, à côté d'hôpitaux, mais même là, on les voit peu, quoi. C'est un peu les seules pharmacies où, voilà, où si vous avez un EMS, c'est ça, si vous avez un EMS, ben là, vous les voyez, mais c'est pas simple, hein, parce qu'on les voit pas souvent, puis on peut pas ouvrir les boîtes, enfin, voilà. Donc, c'est pas simple de se renseigner là-dessus, hein. Je veux pas vous faire la. Je pense qu'on n'aura pas le temps de passer plus, hein, mais voilà, tout ce qui existe, hein,
les choses en hydrocolloïdes, les alginates, des super absorbants pour gérer l'exudat, des choses pour humidifier, des choses pour enlever le suintement, enfin voilà, des choses qui vont éviter que ça s'infecte avec de l'argent. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis voilà, la protection des berges de la plaie, des bords de la plaie, ben, c'est éviter ma fameuse macération. Donc ça, il faudrait vraiment changer régulièrement les pansements, contrôler ça à chaque fois. On peut utiliser ben, voilà, d'autres produits éventuellement. Donc voilà, il faut vraiment savoir gérer cette absorption de l'exsudat en fait. Ouf, restez simple. Donc voilà, il faut penser en fait, parce que vous allez me dire, mais là, vous m'avez donné tellement d'informations que je suis complètement perdue. Mais non, il faut revenir au basique. On nettoie, on désinfecte, on met un pansement adhésif, on observe. Et puis, pas seulement chez les enfants, il faut consoler. Et oui, ça marche, hein, on le sait. Après, voilà, pour éviter des plaies qui collent, ça, c'est une astuce de la personne qui a fait cette présentation, qui est ambulancière, hein, qui dit qu'on peut mettre du film ménager pour les brûlures superficielles, par exemple. Et puis, pour enlever les pansements très collants avec de l'huile alimentaire. Ah oui, ça, j'ai jamais personnellement pensé, mais voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a plein de pansements qui sont avec des ventouses à base de silicone. Ah, par pitié, il faut arrêter ces machins avec de la colle, mais ça, c'est mon avis. Et puis, alors, surtout, hein, n'oubliez pas, hein, tous les tégadermes, etc. Ça se tire, hein, ça ne s'arrache pas. On n'est pas en train de faire de l'épilation à la cire. Donc, voilà. C'est vrai que surtout quand si on doit changer souvent les pansements, c'est ça. Les piqûres d'insectes, eh ben, voilà, il faut essayer de voir pour essayer de retirer avec précaution à l'aide d'une pincette un aiguillon, il ne faut pas le repousser, ce n'est pas évident. Ben, voilà, si on doit faire une suture, hein, ce n'est pas nous qui allons faire ça, mais si on doit faire une suture, je vous rappelle qu'on a 6 heures, donc c'est pas, voilà, si la personne vient 3 jours après, c'est un peu tard. Voilà. S'il y a des amputations, il faut donner l'amputation. Et si on a des corps étrangers perforants, bah, il faut les laisser. Si quelqu'un vient avec un clou dans le doigt, il faut le laisser, il ne faut pas enlever. Et puis alors, bien sûr, évidemment, pire quand c'est dans le système digestif ou je ne sais où. Les cas spéciaux, bah, voilà, les brûlures, il faut refroidir, voyez, sous l'eau tiède pendant 20 minutes maximum. Il faut attention à ces remèdes maison qui appliquent de tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, on met du dentifrice, bien sûr. Il faut pas ouvrir les ampoules, faut essayer. Alors, ça c'est pas forcément évident. Protéger de l'hypothermie, il faut surtout faire ça. Attention avec les enfants, parce qu'un enfant qui a une brûlure, je vous rappelle, la surface corporelle c'est pas la même, même si on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Mais voilà, il faut pas mettre trop froid, parce qu'après vous pouvez faire des hypothermies, c'est pas bon. Les brûlures chimiques, il faut rincer, 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 rincer. Et puis, bah, éventuellement, on peut vérifier qu'un papier pH, les saignements, bah, il faut mettre le membre en hauteur, si on peut, si on peut. Hein. Il faut essayer de compresser, mais pas trop non plus. Et puis, bah, voilà, si on n'arrive pas, on met un pansement, et puis au bout de 15 minutes, sinon, on envoie chez le médecin. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui les lis, mais je pense, sinon Madame Muller, elle va me faire signe. Mais voilà, on a un monsieur d'environ 60 ans qui a une plaie au-dessus du tibia qui ne guérit pas. On a une petite manipulation, ça ouvre toujours la plaie. Depuis 6 semaines, avec un clou du lave-vaisselle, en fait. C'est pas très grand, hein, c'est 1,5 de diamètre. La plaie est légèrement granuleuse, plutôt superficielle. On a un eczéma humide à mouiller, c'est clair, c'est non irritant. Pas d'indication d'infection. On a quand même des antécédents. Il y aurait une obésité, il y aurait un abus de tabac, des problèmes d'insuffisance veineuse. Ben voilà, c'est positif, c'est que c'est pas très grand, c'est plutôt superficiel, c'est pas encore infecté, c'est pas encore chronique en fait. Parce que moi, on voit toujours le pire là. Hein. Mais le négatif, c'est qu'il a quand même des troubles de la circulation sanguine et puis des antécédents médicaux. Donc là, il faut faire attention, ça peut être un début d'ulcère de jambe. Donc voilà, on peut éventuellement, mais si on connaît le patient, si on sait qu'il va revenir nous voir et qu'on va pouvoir contrôler, bah, on peut essayer de faire quelque chose, mais sinon, la visite médicale, ça s'impose. Ben voilà, surtout s'il aurait eu du diabète, par exemple, là c'est clair, c'était médecin. Une femme a son fils de 5 ans qui est tombé sur le goudron en jouant, ça c'est ce qui va nous arriver déjà dès demain. Il a des éraflures sur le coude droit, le genou droit. Il y a 10 minutes sur l'aire de jeu à proximité, ben oui, parce que c'est devant votre pharmacie. Il a fait une chute de plein pied, donc ça va, il ne s'est pas cassé autre chose normalement, mais bon, il faut toujours encore revoir. Le coude, c'est 2 cm de diamètre, le genou, c'est 3 cm, ça reste superficiel, il y a une hémorragie qui est pratiquement suspendue, mais par contre, il y a ce goudron. Elle a lavé à l'eau du puits, mais voilà, ou peut-être on imagine des fois des fontaines où l'eau est non potable.
L'avantage, ben, c'est que voilà, c'est pas très grand, c'est superficiel, c'est frais, c'est déjà nettoyé. On pourrait faire un petit nettoyage quand même. Mais le patient est jeune et en bonne santé. Négatif, il n'y en a pas vraiment. À part qu'on pourrait nettoyer, moi je dirais, si vraiment l'eau, elle n'est pas. Voilà. Et puis ben, ça, c'est une éraflure classique. Donc, ce n'était pas quelque chose de compliqué. Voilà. Elle va peut-être venir nous voir parce que justement, elle a peut-être pas ce qu'il faut pour traiter. Mais on peut faire ça tout à fait bien à la maison, sans problème. Moi, je dis, il faut éviter quand même essayer d'éviter cette croûte, hein, pour éviter que ça fasse des tensions et puis que ça cicatrise mieux, surtout au niveau des coudes et du genou, hein, celle-là. Hein. C'est vrai que c'est pas facile de toujours bien faire, hein, parce qu'on bouge, le pansement, il s'en va, voilà. Là, j'aime bien cette étude de cas, la numéro 3. C'est une femme de 28 ans. Elle s'est brûlée. Elle a une brûlure au bras droit et au cou. En fait, elle souhaite une pommade pour les brûlures, des pansements, des analgésiques, voilà, classique. Elle s'est brûlée, en fait, il y a 1 heure. En fait, elle a reçu une flamme de barbecue, en fait. Donc, elle a quand même le bras qui est brûlé au premier degré sur une grande surface. Elle a des cloques sur la main, l'avant-bras. Elle a 2 doigts avec des petites zones noires et engourdies. Je continue, oui, le cou et le menton. Elle a quelque chose qui est du premier degré. Puis, elle a des cloques au menton. Déjà, elle a déjà refroidi à l'eau tiède pendant 20 minutes. Et puis, elle a enlevé le t-shirt qui était brûlé. OK. Donc, on fait attention avec ces barbecues, évidemment. Il faut arrêter cet alcool à brûler sur les barbecues. Mais bon, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas encore rentré dans la tête des gens. Donc, le positif, c'est que ça a déjà été réfrigéré et qu'elle est relativement jeune et en bonne santé. Mais par contre, ça touche le visage, le cou, les articulations et elle a des brûlures au troisième degré sur le doigt. Donc, ça, évidemment, c'est même les urgences. Parce que, voilà, pas tous les médecins peuvent prendre en charge. Hein. Donc, là, ça peut nécessiter vraiment un service d'urgence. Donc, voilà. Pas de refroidissement supplémentaire, là, il n'y a pas besoin. Ça risque encore de faire une hypothermie. Surtout en plus, il faut imaginer peut-être aussi le côté psychologique. Hein. Elle peut être aussi en état de choc. Hein. Je veux dire, là, elle a une brûlure assez importante. Puis pas, surtout pas d'analgésie qui influence la coagulation. Donc, pas d'acétyl salicylique. Et je repasse la parole à Madame Muller pour la deuxième et dernière question du quiz. Parfait, je vais vite montrer les possibilités pour répondre. Maintenant, vous avez aussi la possibilité pour cliquer sur 2 réponses. Alors, il y a plusieurs qui sont valables. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. Voilà, ça va très vite maintenant. Et n'oubliez pas d'envoyer votre réponse si vous participez sur votre smartphone. Et je ferme le sondage et voilà, les résultats sont les suivants. Alors, nous avons le plus peur pour la réponse A en contrôlant régulièrement les plaies et les changements des pansements. Et pour la quatrième réponse, absorption des exsudats maintiennent un milieu d'humidité. Est-ce que Ouais. c'est correct? Je n'ai rien à ajouter, c'est parfait. Nos participants sont fantastiques. Même encore à 20h20, ils sont encore assez alertes pour répondre juste. Bon, c'était assez simple, mais certes, c'est vrai qu'il faut des fois aussi balayer certaines idées qu'on avait, voilà, certaines formes galéniques ou des pansements très occlusifs. Donc, c'était effectivement tout à fait juste. Donc, voilà. N'oubliez pas de poser vos questions en live par le chat. Et puis, moi, j'ai fini ma présentation. Alors, je pense que je vous redirai encore au revoir à la fin, mais je passe la parole à Monsieur Monera. Merci beaucoup. Alors, on prend toutes les questions à la fin du webinaire. Dans ce moment, on n'a pas reçu les questions pour la première présentation, mais à la fin de la présentation de Monsieur Monera, on a tout le temps pour répondre à votre question. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Oui. Bon, bah alors c'est bien. Je vais juste On a enlever. les sous-titres. Oh là là, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ces sous-titres qui viennent. Voilà, OK. Donc, bonsoir, je m'appelle Alexandre Monera. Je suis le manager régional pour la Suisse romande chez Medinova depuis un petit peu plus de 5 ans. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la nouveauté de Medinova, le Silver Spray, qui est justement pour l'utilisation de blessures cutanées, éraflures, etc. Et qui vient compléter déjà notre crème aux ongles, la Zinc Crème de Medinova. Alors. Je n'arrive pas à changer les slides. Juste cliquer encore une fois dans la présentation. OK.
Et voilà. Donc, ce nouveau spray a un effet antimicrobien. Il favorise la circulation des plaies et offre une sensation de fraîcheur. C'est donc un spray 3 en 1 qui protège, soulage et soutient la cicatrisation. Donc, pour la cicatrisation des plaies, de quoi a-t-on besoin? Donc, en général, ce qui existe sur le marché, on a des films de protection, on a des préventions des infections, des antibactériens, et on a également quelques produits rafraîchissants. Et en fait, la position de Medinova était de se mettre un petit peu au milieu de tout ça, en présentant un spray qui recouvrait ces trois possibilités d'aide à la cicatrisation des plaies. Alors, ce spray également, comme vous avez vu avant, petites brûlures, coupures, gerçures, zones cutanées humides, suintantes, eczéma, et également est prévu pour les enfants à partir de 2 ans. Donc, ça, c'est aussi assez important. Donc, en cas de brûlure, écorchure sur des petites surfaces, on a, comme on a, vous avez déjà vu tout à l'heure, on a une destruction de l'épiderme et du derme avec une formation d'exudat sur la plaie. On a des douleurs quand on touche, bien sûr, ces brûlures ou écorchures. Il y a des risques d'infection lors d'application de pommades ou de pansements qui ne sont pas forcément antibactériens, donc quand on les met, touche avec les doigts, etc. Et le nettoyage de la plaie est souvent assez difficile à cause des douleurs de la plaie elle-même. Également pour les plaies suintantes, les petites surfaces. Donc souvent les pansements, quand on a bien nettoyé autour de la plaie, ils collent mal. Il y a des risques d'infection lors de l'application de pommade et également toujours ces douleurs au toucher, voire le nettoyage qui est relativement problématique. Donc l'avantage du Silver Spray, c'est qu'il peut être vaporisé absolument sans contact. Il empêche les infections secondaires. Il a cet effet rafraîchissant et génère assez rapidement un soulagement de la douleur et absorbe justement ces sécrétions de la plaie. Donc, l'application sont relativement larges pour ce spray. On voit justement, on a parlé des écorchures, égratignures, petites coupures, comme disait Madame Dedon tout à l'heure, ces enfants qui rentrent après, comme on dit, l'eczéma du goudron avec la trotte, ou bien également, on voit ces sortes de brûlures dans les salles de sport pour les gens qui font des sports en salle sur ces surfaces plastifiées, etc., qui provoquent ces sortes de brûlures superficielles, plaques de peau suintantes, intertrigo aussi, on voit différents endroits, ça peut être sous les seins, ça peut être également sur les fesses, etc. Les plis cutanés enflammés, rougeur de la peau. Et également, ça peut être adapté pour l'aide pour des pieds diabétiques, irritation cutanée due aux eschars et tout ce qui est également mycose des pieds, muguet et autres petits problèmes de peau. Donc, le TIAB, les composants, maintenant on va arriver sur les composants de ce spray. Donc le Silver Spray de Medinova, c'est un spray sec pour une application externe. Il soutient la formation de la barrière efficace sur la peau ainsi que le processus naturel de la cicatrisation de deux manières différentes. Donc il isole la zone touchée en créant un micro-environnement permettant une guérison spontanée rapide. Et de l'autre côté, il protège la zone touchée des infections microbiennes et crée ainsi des meilleures conditions pour la régénération du tissu cutané. Donc, comme on voit, c'est une formule brevetée, ce qui s'appelle SILTEC-TIAB. C'est un complexe d'ions d'argent et de dioxyde de titane. Donc, ces ions d'argent liés de manière monovalente, ils ne peuvent pas pénétrer, donc la molécule est trop grosse, ne peuvent pas pénétrer dans les couches profondes de la peau et ils agissent doublement. Donc, ils forment un film protecteur qui empêche les infections bactériennes et ils favorisent ainsi la guérison et la reconstitution naturelle des tissus. Donc, comme je vous ai dit, il n'est pas absorbé et il n'y a pas de décoloration ou coloration des tissus, comme certains produits contenant de l'argent. Donc, on a vu un petit peu l'image, hein, quand ça brûle, ces brûlures de contact au sol ou ces petites brûlures, eh ben, on voit qu'est-ce qu'on fait quand on a une vraie brûlure, on utilise un extincteur à poudre. Donc, c'est un petit peu sur le même principe du spray Medinova. Donc, ce spray sec, il contient du kaolin. Donc, ce kaolin favorise la coagulation sanguine, qui fait que la plaie se referme plus rapidement. En outre, il a un effet absorbant et absorbe les sécrétions. Cela permet également d'éviter une macération de la peau et de réduire les rougeurs et les irritations. Donc, ce kaolin a des propriétés, comme on a vu, nettoyantes, astringentes, hein. Donc, les sécrétions de la plaie étant absorbées, la plaie a tendance à se contracter et la diffusion ainsi
peut être évité, mais l'important pour les applications sans contact, donc là on parle de la diffusion, c'est clair, quand on met un spray à 20 cm, comme on le préconise, il va y avoir une certaine surface qui va être touchée par le spray. Donc on peut tout à fait soit centrer le spray un peu mieux ou bien nettoyer un peu juste avec de l'eau le contour qui a été giclé inutilement par le spray. Donc au niveau de la restauration de la peau, il y a également le dernier composant qui est l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est un biopolymère qui possède un effet volumisant. Il rend ainsi possible la reconstitution de la fonction normale de la barrière de la peau. Donc, il retient les liquides pour assurer l'élasticité des cellules. Donc, comme on a vu, il est volumisant, lissant, humidifiant également, anti-inflammatoire et favorise la cicatrisation. Et il permet le rétablissement rapide d'une barrière cutanée tout à fait normale. Donc, on voit ici un exemple en cas de brûlure. Donc, vous voyez à droite, justement, une sorte de brûlure qui peut être due justement soit à un frottement, plutôt à un frottement à voir comme ça. Et juste quelques temps après avoir pulvérisé le spray, on voit qu'il y a un peu une résorption des liquides et ça protège la plaie relativement rapidement, également de manière, propre, vu qu'on ne va pas, toucher la plaie avec des crèmes ou autre chose ou autre corps, gras ou qui pourrait, aider un petit peu l'arrivée d'autres bactéries. Là, on parle d'un autre cas. Là, c'est plutôt une dame d'un certain âge qui s'est. On revient toujours, je ne sais pas pourquoi les cas, c'est souvent la porte du lave-vaisselle qui est ouverte, qui a tapé le bord du lave-vaisselle. Donc là, on voit qu'il y a cette plaie un peu suintante, voilà, qui est assez superficielle. Donc là, à droite, on voit que c'était traité avec le silver spray. Malgré tout, bon, ayant des risques, la dame étant sous traitement anticoagulant, quand même, il a quand même proposé peut-être de recouvrir pendant un certain temps la plaie pour éviter le sursaignement et en fait empêcher que le saignement soit un petit peu plus abondant. Donc voilà pour ça. Donc j'arrive au bout de ma présentation sur ce nouveau spray Silver Spray. Donc ce spray existe, comme vous le voyez, en deux tailles, 50 et 125 millilitres. Il vient de sortir, donc il y a déjà des offres commerciales qui ont été envoyées sous un petit peu tous les formats, par mail, dans notre newsletter, par fax mailing, par courrier. Et également, on a à disposition pour l'été, pour le mettre en avant, un tout petit présentoir qui contient quelques pièces des deux sprays. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je reste à votre disposition pour toute question concernant ce nouveau Silver Spray. Merci. Merci beaucoup pour vos deux présentations très intéressantes. Nous avons reçu des questions. Je pense que la première question, c'est pour Madame Dodan. C'est en cas de morsure, combien de temps pour la vaccination? Ah bah alors, vaccination quoi, hépatite? Parce que vaccination, de toute façon, bon, rage, ouais, il faut y aller le plus vite possible. Mais bon, en Suisse, normalement, la rage est éradiquée, sauf chez la chauve-souris, hein. Donc là, voilà. Mais très peu de temps. Puis après, bah, voilà, après, même si on se refait vacciner hépatite ou tétanos ou je ne sais quoi, ça n'empêche pas les risques d'infection, en fait. Parce que c'est vraiment des infections bactériennes. Pour la petite histoire, moi, je me souviens d'une fois, une dame, elle vient, elle avait une ordonnance pour 6 semaines. Avec la clindamycine, dose max, j'avais vu la dose, j'ai dit, il faut que j'aille regarder. Et c'était dose max dans le compendium. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'elle s'était fait morte par son propre chat, parce que bref, elle l'avait stressée, elle était en train de déménager. En plus, elle avait plein d'allergies à des antibiotiques, donc elle avait dû changer 3 fois. Mais 6 semaines! Mais mon Dieu, quoi. Moi, j'ai déjà entendu parler d'injections aussi d'antibiotiques locales, hein, genre dans des doigts comme ça qui ont été mordus. Moi, je dis le plus vite possible, hein. Donc vraiment, il faut agir dans la demi-journée, je dirais, dans la journée. J'espère que je réponds à la personne, hein. Mais c'est vrai que pour la vaccination, ouais, je sais pas si vraiment, on peut toujours, hein, ça permet de faire une protection, hein. On sait que l'hépatite à la première dose, je crois qu'on a 90%, mais voilà. Voilà, j'espère que je réponds à la question, Caroline. Oui, je pense. Merci beaucoup. Une autre question, c'est pour Monsieur Monera. À quelle fréquence le spray doit être utilisé, le Silver Spray?
Alors, excusez-moi, normalement, on dit 2 à 3 fois par jour. Après, il faut un petit peu regarder la plaie. Donc, comme le but de ce spray étant de recouvrir sans devoir ajouter un pansement, dès qu'on voit qu'un peu que s'il y a de nouveau des écoulements ou s'il y a quoi que ce soit, ou si on voit que c'est de nouveau, le spray a été enlevé par contact ou autre chose, ou parce qu'on s'est lavé les mains, ou parce qu'on l'a mouillé, on remet un coup de spray dessus. Donc, en tout cas, 2 à 3 fois par jour et plus si jamais on a dû enlever le spray à cause d'un contact ou autre. Parfait, merci beaucoup. Comme nous avons déjà un peu dépassé le temps, nous allons répondre aux autres questions individuellement par email. C'est juste une petite question qui est venue. Est-ce qu'il tache le spray? Non, alors justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un désavantage de cette formulation TIAB, c'est-à-dire que ça reste en surface et il n'y a absolument aucune pénétration, donc aucun risque de tacher. Les seules taches, entre guillemets, qu'on peut voir, c'est comme vous avez vu sur les photos, c'est en mettant le spray, c'est clair que ça va faire une surface blanche. Et voilà, donc, mais ce n'est pas forcément une tache, c'est la poudre elle-même qui se dépose. Mais sinon, il n'y a absolument aucun risque de tache due à l'argent. Parfait. Les autres questions sont de répondre par email. Et oui, je dis merci beaucoup pour votre participation et je donne la parole finale premièrement à Alexandre Monera et après à Céline Dodon. Je voulais simplement vous remercier pour votre attention et vous dire que bon, ben, je m'occupe de la Suisse romande. Donc aussi, si vous avez d'autres questions, qu'elles soient techniques ou commerciales, je suis à votre disposition. Vous retrouvez mes coordonnées, ben, vous l'avez eu sur la présentation. Sinon, vous la retrouvez sur la newsletter ou les bulletins de commande ou autres. Je suis à votre entière disposition. Voilà, moi je voulais vous remercier aussi d'avoir suivi ce webinaire, même si après votre journée de travail, puis avec le beau temps qu'il faisait, c'était très agréable. Je remercie aussi M. Monera. Si vous avez mon adresse, m'envoyez une caisse de ce spray, s'il vous plaît, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment une innovation quoi, par rapport à tout ce qu'on peut connaître et tout ce qui existe actuellement. Donc voilà, je vous souhaite un bel été. Puis si jamais je fais un peu de pub quand même, j'ai re un webinaire avec Medinova le 23 août le soir ou le 30 le midi. On parlera de la sphère gynécologique cette fois. On change de thème. Et puis d'ici là, profitez de vous reposer un petit peu. Bel été et bonne soirée. Bel été à tout le Merci. monde. Bonne nuit.